Yo, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Comme vous le savez, on est vendredi et le vendredi c'est le jour de Xur. Donc voilà, donc on va s'y rendre tout de suite. Donc voilà, le chemin il se trouve sur le côté droit de la map, tout au fond de l'entrepôt, tout en bas là où il avait déjà été une fois là-bas, à l'endroit où il n'y a personne évidemment. Donc voilà, donc je sais, voilà, je vais en profiter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais, vous faites plus Destiny, vous faites plus ci, vous faites plus ça. En ce moment, on a beaucoup moins de temps, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de live le soir, on fait des lives quand on joue, on a beaucoup moins de temps, on travaille tous les deux. Et faut se dire aussi qu'on a un peu tout fait sur Destiny, on a un peu retourné le jeu dans tous les sens, du coup, on reprendra les vidéos sur Destiny quand le DLC sera sorti, c'est-à-dire le 9 septembre, le 9 décembre, pardon. Donc voilà, donc on se retrouve avec notre pote Xur, il est là, on va regarder un peu ce qu'ils vont aujourd'hui. Oula, aujourd'hui, alors, un bras de titan, putain, je l'avais jamais vu celui-là, donc pas de plan B, il s'appelle. Donc il donne beaucoup de force, hein, il augmente la durée du champ de force, la vitesse des attaques de mêlée est augmentée, et il augmente aussi la vitesse de rechargement des armes spéciales, donc c'est plutôt pas mal. Il est plutôt joli, franchement, il a l'air plutôt joli, on peut pas voir d'aperçu. Voilà, ensuite, les chines du jeune Amkara, donc le bras de chasseur, celui-là, vraiment, il est très joli, beaucoup de discipline. Donc on voit que la grenade laser dure plus longtemps, qu'il augmente la vitesse de rechargement des armes spéciales et que le gain d'énergie de votre super est amélioré en cas de frag à la grenade. Donc vraiment pas mal pour 13 pièces étranges, ça vaut vraiment le coup. Et ensuite le plastron de la canine abyssale, donc pour l'arcaniste, avec beaucoup de force, une version améliorée de la décharge d'action, donc vous réapparaissez avec de l'énergie de grenade, donc votre grenade est déjà un petit peu rechargée lorsque vous apparaissez. Il augmente aussi la capacité en munitions des revolvers et il augmente la capacité en munitions des armes spéciales, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des armes, on a l'outil multifonction Mida, donc c'est un fusil d'éclaireur, donc du coup par coup, franchement celui-là je l'ai pas, donc je vais pas pouvoir l'acheter tout de suite, je suis en galère de pièces étranges, ça fait un moment que j'ai pas mis les pieds sur le jeu, mais je pense que je vais faire des petits assauts épiques pour l'acheter aujourd'hui, il a l'air vraiment sympa. Au niveau des améliorations, donc troisième œil, le radar reste actif lorsque vous utilisez le viseur de cette arme, et on voit aussi que la vitesse de déplacement et tir à la moindre pression. Alors, l'arme améliore la vitesse de déplacement et le tir à la moindre pression sur la queue de détente. Pardon. Donc voilà, dès que vous appuyez sur la gâchette, hein, c'est parti, ça tire. Vraiment pas mal. J'ai hâte de la tester. Et voilà. Donc après, comme d'habitude, il y a un engramme de casque exotique. Je vous le conseille. Après, c'est au petit bonheur à la chance. Hein, peut-être que vous aurez un truc pour votre classe ou peut-être pas. Et ensuite, cette semaine, vous pourrez améliorer beaucoup plus vite les fusils automatiques, les fusils à fusion et les mitrailleuses. Voilà, et comme d'habitude, il y a des moteurs furtifs. Voilà. Ensuite, je pense que pour vous, il y aura sûrement des munitions violettes à pouvoir acheter. Mais comme j'ai pas de pièces étranges, je ne peux pas en acheter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite. Je pense que je vais vous faire peut-être une petite vidéo sur l'assaut Nuit Noire de la semaine prochaine. Et sinon, on se dit à Xur la semaine prochaine. Et pour ceux qui attendent le DLC, on se retrouve le 9 décembre. Vivement, j'ai vraiment hâte de tester ce nouveau raid. Et je vous fais de très gros bisous. Ciao tout le monde. Bye bye.